Bonjour, Jésus-Christ est le chemin, la vie, la vérité. Donc c'est ici, c'est dit ici, dans Jean 14, verset 6, que l'Esprit de Dieu vous aide à vivre dans la vérité, à demeurer dans la vérité, à connaître la vérité, tout ce qui est vrai, tout ce qui vient de Dieu, là, que Dieu vous aide à connaître ça. C'est ma prière pour vous. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais parler de la vérité. Jean 14, verset 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, là, ça triomphe toujours. La vérité. La vérité, c'est que j'enseigne ici, ce que je dis aux gens ici, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est la vérité. Christ est la vérité. Christ est la vérité. Donc, quand tu es dans la vérité, là, reste dans la vérité. Tu vas jamais avoir honte. Lorsque ce que tu es en train de dire est vrai, là, ils n'ont qu'à tourner, 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 tourner. Ils n'ont qu'à faire 100 ans, ils vont revenir. Reste sur ta décision, demeure dans la vérité. Je vais vous parler d'une histoire là. Un peu. Normalement, cette vidéo-là, c'était fait pour que je puisse montrer mon visage en parlant, mais bon, c'est pas grave. Parce que je voulais faire ça dans le mall, mais bon, je vais faire ça ici rapidement. C'est important. Je vais vous parler de l'histoire. L'histoire s'est passée. Un jour, j'étais en train de marcher avec quelqu'un. Et puis, où on partait là, c'était un peu bizarre. Et puis, j'avais besoin d'aide pour passer. Et j'ai dit aux gens qui venaient, ils étaient en face de moi, j'ai dit, aidez-moi. Et puis, ils m'ont aidé. Et puis, j'étais avec quelqu'un là. Je ne suis pas obligée de dire le nom des gens. Donc, et la personne m'a aidé. J'avais besoin de deux. J'ai dit à l'autre, aide-moi à chose. Maintenant, la personne, au fait, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Il m'a jamais vu. Il ne me connaît même pas. Un monsieur. Un monsieur qui a commencé à parler. Il a commencé à dire à quelqu'un que cette personne-là, il faut bien t'occuper d'elle, hein? Sinon, façon qu'on va te l'arracher ou bien, je ne sais pas s'il a dit arracher, il a dit un mot là. Cette personne-là, c'est comme si, bon, ce qui est sûr, il a parlé quoi, mais bon, tout ce qu'il a dit là, je peux transformer ou bien je peux dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que donne le respect à cette personne, considère cette personne. Sinon, on va prendre cette personne-là dans ta main. C'est comme un avertissement, quoi. Et puis bon, j'ai ri. Et puis bon, quand partant, comme vous savez, moi j'aime jouer la comédie, j'aime parler des histoires drôles. J'ai commencé à taquiner quelqu'un. Et puis je dis, ils ont été durs, hein? C'est quoi ça là? Mais après, quand je suis en train de réfléchir, parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit, au jour du jugement là, les hommes auront à prononcer toute parole qu'ils ont. Vous voyez, au jour du jugement là, c'est ce qu'on dit là, c'est ça que Dieu va prendre. Donc, si je dis ça là, si je parle de ça là, c'est pour dire que quand quelqu'un parle là, quand une personne est en train de parler là, souvent, quand tu écoutes, lorsque tu as la connaissance, tu essaies d'analyser, tu essaies de comprendre ce que la personne est en train de dire. Ce que la personne n'a pas dit là, tu essaies de comprendre au fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au début là, ça a passé comme ça, mais après, je suis en train de prendre les paroles de la personne là. Et je suis en train de voir des choses dans ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire,
tu prends et puis tu réfléchis. Quel message la personne, quelqu'un qui même qui me connaît pas, c'est quel message comme ça qu'il est en train de donner à telle personne-là? C'est maintenant que j'ai compris. C'est maintenant que j'ai compris le fond. Au fait, on dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Oh non, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Les gens-là, ils n'étaient pas vrais avec moi. Ils n'étaient pas vrais avec moi. Moi, j'étais vrai avec eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire même? J'étais honnête. J'ai ouvert mon cœur. J'étais vrai dans tout ce que je faisais durant toutes ces années-là. J'étais vrai avec eux. Mais eux, ils n'étaient pas vrais avec moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça là, le monsieur est en train de dire là, mais je ne comprenais pas. J'étais vrai, j'étais honnête. Mon cœur là, j'ai ouvert ça comme ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas, hein, tu es en train de dire, cette femme là, cette femme que tu négliges là, il faut bien la prendre, hein. Si tu ne l'as pas pris là, nous, on va te l'arracher. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Les gens, ils n'étaient pas vrais avec moi. Moi, j'étais vrai avec eux. J'étais vrai avec eux. Tout ce que je faisais là, c'est avec mon cœur. Mais eux, là, non. OK? Donc, c'était ça, là. C'était ce message-là qui véhiculait devant moi comme ça, je ne comprenais pas. C'était ça, là. Seigneur. C'était ça, là, que, vous savez, Dieu, non, Dieu, il est bon. Quand tu es vrai, là, quand tu es vrai, il fait ton palabre. Quand tu n'es pas hypocrite, les gens, ils étaient hypocrites envers moi. C'était deux visages. Ils n'étaient pas vrais avec moi. Moi, j'étais vrai, mon cœur. Quand je veux, quand je suis avec quelqu'un, là, je suis de cœur. C'est comme si, c'est pour cela, souvent, quand je suis en train de prier pour les gens, là, je suis vrai avec eux. C'est pour cela, souvent, je leur dis, mets ça là en pratique. Parce que, au fait, ce sont les choses que moi-même, j'ai essayé. Et ça a marché. C'est ce que je suis en train de donner. Mais quand je donne comme ça, là, et puis la personne, elle est en train de discuter, mais je te laisse. Je dis, fais ça là. Il faut appliquer, tu vas voir le résultat. Parce que je ne suis pas une fausse personne. Je suis vrai. Je suis une vraie personne. Et j'aime la vérité. Je n'aime pas les mensonges. Je déteste Satan. Donc, je ne peux pas aimer Satan. J'ai découvert leur vrai visage. Leur vrai visage, là, j'ai découvert ça. Je suis une vraie personne quand je suis avec quelqu'un. Je ne suis pas fausse. Je ne suis pas fausse. Je suis quelqu'un, en tout cas, vous allez me connaître. Je suis quelqu'un, je ne peux pas faire semblant. Non, je ne suis pas comme ça. Si je ne t'aime pas, si je ne te supporte pas, je ne peux pas être avec toi si je ne te supporte pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire semblant. L'hypocrisie, là, c'est pas. Non, je ne peux pas. Je te montre directement. Je te montre ma position. Et puis, je dégage. Je te montre ma position. Je ne peux pas être là, faire semblant, faire l'hypocrisie. Non, je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Je te montre mon vrai visage. Je te dis ça, là, je ne suis pas dedans. Et puis, c'est fini. Quand je donne dos, là, j'ai donné dos. Quand moi je donne dos là, je ne reviens plus, je donne dos et puis c'est fini. C'est comme ça, je suis vrai. J'aime Christ, j'aime Jésus. Vous comprenez? Donc je ne peux pas marcher avec les gens qui sont hypocrites. Non, je ne peux pas. Je marche avec les vraies personnes. Quand je découvre que tu as deuxième visage là, je te dépose. C'est ça,
C'est ça là que Dieu voulait me montrer. Oh non, gloire à Dieu. C'est ça là, maintenant j'ai su. C'est ça. Le monsieur disait, cette femme-là, non, cette femme est une femme qui est vraie. Est une femme qui, quand elle aime, là, elle aime. Elle aime son prochain. C'est ça. Donc, je vais parler de quelque chose là. Il y a des gens là. Un jour comme ça là, j'étais là. Vous savez, je suis sur Facebook, sur YouTube. Quelqu'un vient, il me contacte. Une personne me contacte là. Cette personne là, 2, 3 jours net, la personne me dit, je veux te prendre comme marraine. J'ai dit non. Je ne te connais pas, je ne peux pas. J'ai dit non. Et c'est comme ça. Quand c'est l'argent là, là, tu es marraine, tu es parraine. Je ne suis pas dans ça. De façon que vous êtes hypocrite là, je ne peux pas devenir marraine. Non. Enlevez mon nom dans ce que vous voulez faire. Je ne deviens pas marraine de quelqu'un. Vous avez entendu? Façon que j'ai dit non à cette personne-là, c'est non. Quand je donne d'eau, je donne d'eau. Et je ne reviens plus. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas une fausse personne. C'est pour ça que j'aime Christ. Christ, il est vrai. Non, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es vrai. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est la vérité. J'aime Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, c'est dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est vrai. Jésus est la vérité. J'aime Christ. Je ne peux pas être dans les mensonges, non. Ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé, c'est vrai. Quand je viens, je parle là. Je viens, c'est quelque chose de vrai que j'apporte. Et je ne peux pas être avec les gens, faire semblant. Non, je ne peux pas faire semblant. Et c'est ça. Quand tu découvres que toi, tu étais vrai là, les autres là n'étaient pas vrais là, mon cher. On se laisse, on se dépose et puis chacun prend son chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer ce message là après.